Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Même dans le pays où il y a la guerre, l'élection est pour le fait, sont très violentes. Parce que l'élection, forme dit nous ça, c'est les mêmes qui base la démocratie. Pas de personne qui a vu nous. Même penser, même dans dormir pour diriger un pays, si ce n'est pas le peuple qui bordoie ça. Et le peuple là, mon seul côté de qui bordoie, c'est dans l'élection. Et si passe-coup qui vous fait, moi son seul passe-coup qui a fait. On passe-coup par le peuple là. Ça veut dire remettre les bails, les abats à la loupe. Les mêmes la choisi moun parce que son bar il me dit qu'il loue en pile là bas mais même côté lia c'est là m'bal quitter les mêmes c'est mettre les liens on y a le choisir ou même qui décide pour venir diriger j'aime toujours dire là c'est votre nom commencer une formation parce que campagne beaucoup ouvert mais comment c'est faire formation à travers tout pays hein, pour permettre moun yo commencer à figurer nous commencer à connaître nous ou c'est pas longtemps de bar l'arrivée pour pourtant des moun yo a traité nous de papa tout d'un coup. C'est qu'il faut nous atterrir pour nous commencer à faire peuple là, ouais, nous, candidats qui parlent pour toute posture, monde qui veut venir des parlementaires en pays, monde qui veut venir députés, sénateurs, magistrats, kazek, président, commencer à faire population, ouais, nous. Je pense que moi-même, c'est conseil, ça fait me parce que moi, je suis démocrate, c'est dans la démocratie que je crois. Moi, dès mon mandat de population, c'est pas moi. Je suis dans la phase finale du mandat. Je dis qu'il faut remettre le pouvoir de gens. Je n'ai pas le pouvoir avec le résultat que je fais. Je dis mais ça me dit, mais ça me fait. Et je dis que je n'ai pas de café, mais pour quelle raison je n'ai pas de café. Et puis, remettre le pouvoir à travers l'élection. C'est pour ça que je suis déterminé, comme chef de l'État, tout ça. Que l'État a une capacité pour une élection organisée dans le pays. Parce que pas qu'il y ait une transmission de pouvoir dans le pays sans élection. Parce que c'est l'élection que vous faites pour venir un président qui est élu, pour venir, j'en ai dit, des parlementaires dans le pays qui est élu, maire qui est élu, casse qui est élu, qui pourrait diriger Haïti. Et m'a dit tout. Moi-même, quand j'ai mis là, l'élection n'est pas faite pour moi. Élection a fait pour parti politique à candidat. Parce que nous connaissons des candidats indépendants. Mais majorité candidat a sorti dans le parti politique. C'est ça qui fait maintenant de tout parti politique. Nous connaissons que dans le niveau ministre de la Justice, qui est le parti politique ministre qui est inscrit dans le. Nous avons plus de 246. Combien? Plus de 246. Bah, dites-le pour nous entendre. Côté micro, parce que ministre micro à moi. Parce que c'est pas. Combien de partis politiques nous avons plus de 286 partis politiques qui sont inscrits. Ah bon? Ça veut dire plus passer 286 partis politiques inscrits. Moi-même, seul Zamdarabba nous comme conseil, messieurs dames partis politiques, si nous de différentes tendances, si nous devons commencer à regrouper nous par groupe, ça veut dire par tendance, pour nous être capables bien plus force. Ok, pour nous aller dans l'élection qui mais moi-même, nous sommes démocrates. Il y a 286 plus passé 286 partis politiques. C'est pour nous l'élection qu'on va le faire. Ce n'est pas pour moi. Parce que moi-même, je ne vais pas aller dans l'élection encore. Je ne suis pas candidat à l'élection. D'ailleurs, nouvelle constitution. Et ancienne constitution, papa, je dois participer à l'élection qui vient. Ça veut dire que je ne suis pas candidat. Et non plus, je voulais dire nous ça aujourd'hui à tout, je ne suis pas un candidat. Le président Jovenel Moïse n'est pas un candidat. Le chef de l'État n'a pas de candidat. Je vais dire les votes là, je vais voter pour les citoyens qui ont un homme qui a fait travail. Ok, je vais commencer à faire. Et sous question du processus électoral là, il faut que nous comprenions tout exercice que le président fait là, il est extrêmement important parce qu'il faut que nous permettre que nous nous votions. Et pour nous voter, il faut que nous ayons un cadre d'identification nationale là. Parce que quand on a un deal, l'élection, c'est seul moyen pour nous arriver dans tel pays pour qu'à diriger. Il faut qu'on ait une élection et pour qu'on ait une élection, pour que le peuple ait voté puisque c'est des coups de droit, il faut qu'on ait un cadre là. Donc ça fait que dans un paquet très de mesures qui prend dans toute administration publique là, dans le dernier moment qui vient là, le président au niveau immigration, il faut qu'on ait un cadre pour capable faire
et passeport. Au niveau de la Banque nationale et BBRA, il y a des décisions qui sont sorties par rapport à Banque ou Kagan 4. Au niveau du ministère du Commerce, il y a des décisions qui prennent. Au niveau du Conatel, il y a des décisions qui prennent. Il y a tout un train de mesures. Mais dans le sens ça, je pense que il y a des avancées. Sur le processus électoral, là, on travaille très étroitement avec CEPA, qui lui-même c'est l'organe qui peut organiser l'élection et nous-mêmes nous là pour nous faciliter tout le bagage qui est dans le processus là. En tant que processus, ça a gagné BEC, PED, tu as gagné des formations qui étaient faites, tu as gagné des préparatifs qui étaient faits. Et là, nous sommes en phase pour que nous prenions une formation, puisque le recrutement est fin fait, qui peut permettre d'avancer. Il y a un corps qui est débloqué pour le conseil électoral là, pour lui fonctionner en lui-même. Et bien, quand vous notez qu'on est le tout, pour ballon assistance technique et logistique en dedans élection, un accord qui signe entre le Premier ministre et Nations Unies, particulièrement PNUD, côté que PNUD, c'est lui-même qui prend ballon assistance technique dans le cas d'élection, une c'est lui qui prend assistance logistique, et dans le sens, c'est le président, quand vous connaissez, il y a Basket Fund, fonds fiduciaire qui supposé permettre création élection en 272 millions, Haïti fait première contribution pour montant ça et c'est 20 millions qui étaient décaissés pour processus ça. Dans ce sens, on a annoncé que et semaine dernière, le conseil électoral a reçu deux systèmes Nations Unies ensemble de matériels non sensibles qui est important dans quatre processus référendum à l'élection. CEP a bail OK déjà pour que comment ça vous fait. D'avoir approuvé spécification et Nations Unies a déjà lancé première commande pour matériel dans le cadre processus électoral. Au niveau sécurité président, il y a une cellule qui met en place au niveau police nationale pour sécurité électorale. Il y a tout un ensemble de dispositions qu'on prend qui vous permettent que, au niveau sécurité, question élection avancée. C'est ça que les gars avancent dans le monde. Merci. Président, nous avons 4 millions de copes qui enregistrent déjà jusqu'à 21 février. Ça veut dire qu'on a 4 millions d'enregistrements jusqu'à 21 février. L'un des enregistrements, ça veut dire 4 millions d'enregistrements qui fait, mon nom a baptisé normalement. 4 millions de monde qui ont baptisé normalement, qui ont enregistré dans le système. Et excellence, il faut me dire que l'opération, la mission diplomatique de concert avec le ministre des Affaires étrangères, ministre Claude Joseph, nous avons déjà commencé les 5 missions diplomatiques en République dominicaine, nous avons 2 semaines. Et semaine ça, nous allons avoir les États-Unis qui va recevoir l'équipement avec formation. Parce que l'équipement, c'est une, mais il faut des formations qui fait au niveau de l'opérateur NIO envers agents consulaires. Et en même temps, nous avons les Caraïbes, Amérique latine et puis l'Europe que nous visons. Tout côté des missions diplomatiques, il y a des chances de recevoir l'équipement NIO puis qu'à faire carte d'identification. Parce qu'au niveau de direction générale immigration, il y a une note qui sortit qui dit que pour café, passeport, il faut une carte d'identification. Donc ce n'est pas seulement en Haïti, dans toute mission diplomatique, automatiquement que vous recevez équipement au niveau formation faite, automatiquement, vous pouvez faire passeport, il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'obligation pour faire carte d'identification au niveau mission diplomatique. Non, donc, fait action dans la diaspora, il y a quelques cas d'identification, même à nous-mêmes en Haïti. C'est le ministre qui a fait acte de naissance, est-ce que vous-même dans la diaspora, vous avez une capacité pour... Oui, et pour concernant acte de naissance, nous avons un service et archives avec acte de naissance au niveau mission diplomatique. Mais il y a une bagarre excellente pour moi féliciter, parce que même quitter la mission diplomatique Miami, nous connaissons que les Haïtiens fait action nous, qui passent misère pour jeunes externes d'archives à cause des affaires jugements. Vous avez été qui était sorti en 2019, excellence, côté, nous avons retiré à faire jugement. Hein? Et bien c'est le moment. Donc, pendant que nous avons pris le temps, nous avons pris un an pour jouer un acte de naissance ou bien excellent chez vous, ou qu'à jouer le même jour au niveau de consulat ou bien ambassade. La deal à l'entendement du peuple là, et à la satisfaction de tout le monde, que depuis l'opération coup de poing, lancée par le président, dans 2 mois nous réalisé 400 000 baptistes. Et le système judiciaire, officier d'état civil, là, par année, nous comptons faire 100 000 environ. Ça veut dire dans 12 mois, nous comptons faire 100 000, dans 2 mois, nous faisons 400 000. Dans 2 mois, nous faisons 400 000, et dans 12 mois, nous comptons faire 100 000. Stratégie que nous allons employer pour que tout le monde soit capable de trouver
Baptiste, eh bien, c'est au niveau de Claquio, au niveau de Kazekio. Eh bien, Claquio, eh bien, nous prenons disposition pour nous capables, pour nous capables de nommer yo, les clercs bénévoles. Les clercs que Fenaka lui-même, lui, bon, nous, dans l'Isli. Et n'a tout profité. Fenaka, c'est qui ça, les ministres? C'est l'association Kazekio. Association Kazekio. Fédération nationale, association Kazekio. Kazekio. Et n'a Jean que président est-il, l'État a fait lancement, n'a pas averti tout officier d'état civil et que Axario, que l'a signé, Axario, que Clacio lui-même, il a rédigé, eh bien, c'est acte que il n'a pas touché 50 dans mes pièces monde parce que il a touché déjà et Clacio qui n'a pas nommé, qui n'a pas touché, hein, et bien nous pouvons faire activité pour eux, pour être capables de toucher. Et nous dit officier d'état civil, c'est bien capable de signer d'avance. Et bien tout acte que vous pouvez mettre avec eux, de façon que pour que les clés là, lui-même, finissent de remplir l'acte là, ils finissent de remplir le formulaire, et bien on y, lui-même, il est capable de passer à l'action. Parce que officier d'état civil, il a une pile réticence, puis il est capable de monter dans le monde, puis il est capable à tout officier d'état civil, non seulement pour recevoir un sou, mais tout pour être capable de signer d'avance, et bien, formuler ça pour que le travail là capable de faire, il ne pas souffrir. Depuis fin novembre, le président te prend l'initiative. Lance son grand campagne pour frère absolu, libérer ça, prendre l'indépendance de la majorité de Mounsayo qui n'a pas de gain à de naissance. Donc depuis deux mois, mon gros campagne est lancé. Et Brest National d'Haïti lui-même, dans la responsabilité PAL, il a un objectif pour imprimer 3 millions de formulaires de naissance. Avec 7500 registres. Journée aujourd'hui, nous avons près de 4000 registres. Ça veut dire que nous avons déjà livré au ministère de la Justice plus que 3000, à peu près 3800 registres. Mais chiffre exactement, c'est 3776. Concernant le formulaire que de naissance, nous avons déjà livré presque 1 700 000. Formulaire de naissance. Et le président il dit ça. Pour mon gagner papier ça, document ça qui est important, carte d'identification nationale, d'abord pour chaque citoyen gagner acte de naissance sur les baptistes. Et travaillant la poursuivre. Et moi-même comme directeur général Presse nationale d'Haïti, a profité d'occasion ça. Occasion solennelle ça. Pour mettre un gros bravo au président, premier ministre. Tout ministre qui n'a taxe au sang, directeur que généraux, ensemble avec Rocade administration publique. Et nous avons garanti, travaillant à continuer, Jean Nouvelle Fête pour permettre que avant l'année, au moins 3 millions haïtiens qui vivent dans le monde. Surtout en dehors, puis y a tout un papier qui va là pour nous reconnaître comme frère absolu. Moi, félicite le ministre Mathias pour gros événement que vous avez fait. Pour te remettre le parti politique au document nouvelle constitution. Je profite de comité indépendant tout pour le travail avec l'Académie créole là, sous traduction créole constitution. Il est important parce que le ministre intégré qui là, je crois que presser, il faut commencer le travail pour faire un gros rombé dans Port-au-Prince avec 572 casques pour remettre le document qui pour faire les gens qui sont dans le comité indépendant, consultatif indépendant, pour venir parler, pour qu'ils commencent à faire un texte en main, le comité ça va marcher à travers le pays, pour qu'ils tout pour un mot de dire, tout le monde qui vit loin, magistrat et tout, ministre intérieur, il faut que nous remettions le texte à Zekio, délégué ville, il faut que tout le monde. La société a commencé à faire un texte dans la main pour même garder, fouiller, j'ai regardé. Qui ça dans le texte?
qui ça vous pensez qu'à corriger? D'ailleurs, je prends une décision déjà. Je crois que moi j'ai été informé pour le ministre que n'a pas longé délai qui était gagné parce que je crois que mon délai pour 15 mars, nous décidons de longer pour permettre tout le monde de gagner pour qu'il y ait plus de dialogue qui fait sous affaire texte ça. Parce que Jean nous dit, ce n'est pas affaire président Jovenel Moïse, ce n'est pas affaire groupe parle ni qui parle, c'est pour le pays. Le pays est ingouvernable, le pays n'est pas capable encore avec une constitution qui sont source de stabilité chronique pour le pays. En pile monde qu'on peut dire, et mais je dis à maintenant, on peut parler, mais qui va le mettre nous. Les mettre nous après 34 ans, on est supposé 7e président pays, 19e président. Après 34 ans, bagage qui est supposé exception, c'est les règles. On y a après chaque mandat en président, grand groupe monde qui sort de côté, aujourd'hui, va transition. Chaque mandat en président. Mandat président Matéli fini, black transition. Président a décidé sous pouvoir, la guerre déclarée, transition. Qu'on y a moi-même sous pouvoir là, transition vient tout non. La transition de la rupture. Son série de. Même transition pas les français, le bal anglais, le bal allemand, le bal tout le monde. Mais transition aujourd'hui, il y a même tout douce à titre transit. Son seul côté pour aller dans la poubelle de l'histoire. Pour occuper le monde qui avait des bords. Pas une transition encore. Pas à faire de petits bois de côté. Pas une transition encore. Qu'on y a, c'est élection. Travail asphaltage ça réalisé sous boulevard Trois-Rivières. C'est boulevard ça qui pouvait dans la commune Pointe-Pertuis, département Nord-Ouest, PIA, qui était accueilli défilé trois jours gras à Nessa. C'est ministère Travaux publics, Transport et Communication qui réalisait travail ça. Une série de travail qui était fait si tout dans l'idée pour te préparer ville Pointe-Pertuis dans le cadre de déroulement carnaval national février 2021. Réalisation travail ça pour faciliter circulation en fait puis bien sous boulevard Trois-Rivières. Qui dans le département nord-ouest pays. Non seulement travail asphaltage route ça, mais tout électricité qui gagne pour aider la vie en nuit sous boulevard Trois-Rivières. Au niveau de l'OPC, nous commençons à recevoir des menaces. Et c'est des menaces directes. Très directes. Sous local nous, sous personnel OPC, sous protecteur citoyen, sous protecteur adjoint et l'autre monde qui est dans l'OPC. Sans vouloir entrer dans une polémique, tout le monde connaît que le premier monde qui dénonçait par là, c'est un certain Schiller Ludor. Deuxième monde qui continuait même attaque ça, c'est un certain un individu répondant au nom de Deus Deronet, un soi-disant ancien député de la 50e législature. Nous pensons au niveau de l'OPC. C'est de l'ignorance, c'est de l'intolérance, c'est de l'intimidation, c'est aussi de la violence qui rappelait étrangement des moments noirs que nous vivons dans la société haïtienne, que nous-mêmes, juristes, avocats, journalistes, avons boumé pour ne pas retourner encore, c'est-à-dire bâillonnement de la parole. Ça permet de nous rappeler. Tristement, le cas de maître Yves Vonel, qui a assassiné 13 octobre 1987 parce que il a gagné une constitution en main devant le quartier général de la police. Ça rappelle Jacques Gary Sirelo, que l'on est le plus haut de Jacques Caraï, qui décédait, qui mourut le 30 septembre 1991. Parce qu'il a fait une mission libre opinion. Ça rappelle tout, mon ami, Félix Lamy, le 10 décembre 1991, qui disparaît, parce que jusqu'à présent, pas bien jeune col, eh bien, ils ont entré dans la Radio Galaxie, ils ont bousillé la Radio Galaxie, ils ont traîné Félix Lamy descendre, parce que Félix Lamy était décidé. Tu prends le risque, peut-être. Est-ce que c'est ton erreur que tu commets? Nous ne parlons pas ça. Parce que dans l'émission comparable d'affaires, il était bail, il était libre, une note de presse qui était en rapport avec
un éventuel transfert de un colonel Michel François. Ça rappelle tout le cas de Antoine Isvéry, le 11 septembre 1992. Moi-même, rappelé ça. J'étais jeune, jeune journaliste, même dans la presse, j'étais journaliste actif. J'étais aussi dans les activités engagées. Et le 11 septembre 1992, j'ai entré dans le Sacré-Cœur du jour. J'ai traîné Antoine Isvéry dehors devant Baxvilla. J'ai pas mis balle à la tête parce que tout simplement, Antoine Isvéry a décidé d'organiser une messe pour mon qui était mort le 11 septembre dans Saint-Jean-Bosco. C'est dommage. Je n'ai jamais dit en 2021, il a tenté de faire nous faire bac. Il a tenté de faire nous faire bac avec une soi-disant pression, intolérance, ignorance, mêlée avec toute forme d'intimidation. Nous même au niveau de l'OPC, nous ne pouvons pas faire ça, aucune importance. Nous ne pouvons pas importance. Dans la mesure où que nous connaissons que nous faisons un travail de promotion, nous faisons un travail de sensibilisation, l'OPC c'est une institution au service de la population. Nous avons une conférence de presse que nous avons qui va mettre accent sur une activité que l'OPC a été organisée dans l'hôtel Montana demain, mardi et mercredi, que nous sommes obligés de reporter, indépendamment de volonté, non. Ce n'est pas nous qui décidons de reporter l'événement dans l'hôtel Montana, nous avons fait la canon, mais c'est parce que l'hôtel Montana était suite à des pressions que exercées sous l'île, on dit qu'il y a une boule locale. Donc, on est obligé de gérer les noms, même s'ils ne sont pas venus avec nous et vous, pour les commander. Alors, de quoi s'agit-il? Effectivement, dans la date 12 et 13 août 2020, nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous avons décidé d'organiser un forum sur la question de la Constitution. Et la question fondamentale qui était agité dans le forum ça, côté qui était des personnalités d'horizons divers, de tendances politiques diverses, eh bien c'était y a-t-il ou non nécessité pour une réforme de la Constitution en Haïti. Et à l'issue de forum ça, nous avons fait sortir document ça que nous avons publié. Chaque journaliste a une copie, chaque média. Et c'était les actes du colon. La synthèse de toute discussion qui était gagnée dans la date 12 et 13 août 2020. Côté que des professeurs, des avocats, des doyens qui ont exprimé opinion en toute liberté les 12 et 13 août 2020. Nous devons mettre le document ça à tous, à l'exécutif, aux autorités étatiques. Quelques semaines plus tard, au niveau de l'exécutif, comme en pile dans nous connaissons, les journalistes très professionnels, eh bien, l'exécutif a décidé de mettre sous pied un comité indépendant pour travailler sur question constitution, un avant-projet. Et après plusieurs mois yo même que yo fait travail, yo publié un document qui est en circulation depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'année 2021, que l'on relève avant projet constitution. Ça c'est le document comité qui fait sortir. Donc nous-mêmes en tant que structure étatique et voulant rester cohérent à nous-mêmes, nous dit ah, de façon académique, de façon méthodique, de manière classique, il faut que nous analysions qui ça qui vient dans le document ça que le comité a fait sortir. En nous faisant travail d'analyse, en nous faisant travail de comparaison pour nous voir ça que nous avons publié au niveau du comité là, avec ça qui est sorti dans le forum que nous avons organisé les 12 et 13 août là, est-ce que le conforme? Est-ce que nous répondons à tant de monde qui t'est exprimé dans le forum là? Voilà toute l'affaire. Et nous avons pris une décision pour nous organiser une comité d'horizons divers pour venir par position à
analyser les documents ensemble avec nous. Le juge n'est pas là et j'ai eu l'honneur d'être reçu par le doyen du tribunal civil et puis il y a un greffier là tout. Et c'est pour ça que je comprends. Je fais carré gourmet contre la détention préventive prolongée parce que le juge n'a pas jamais placé, il n'a pas jamais fait travail. Et si moi-même, Premier ministre, je ne peux pas joindre le juge là, alors nous comprenons bien, l'homme est fermé en prison, ou bien citoyens ont besoin de justice, ils n'ont jamais joindre justice dans un pays comme ça. Et c'est pour ça que je demande CSPJ pour prendre responsabilité, pour administrer la justice là. Administrer la justice bien dans le pays conjointement avec le ministre de la Justice pour citoyens suspendre coupi en prison, suspendre besoin de justice pour ne pas joindre. Et l'autre jour, je vais raison tout à une organisation droits humains qui écrit, qui dit la justice bloquée depuis 18 mois dans le pays. Alors si moi-même Premier ministre, juge la convoqué, moi fais le devoir pour venir répondre à question juge là, il n'est pas là. Alors on a compris, non simple citoyen qui a un problème dans la rue, qui misère à passer, et les gens qui sont en prison, ils ne sont pas diables. Et je pense qu'il faut que l'organisation doit continuer à aider les gens contre la détention préventive prolongée, pour empêcher que les gens pourrissent en prison, alors que pas un juge qui pour répondre, qui pour juger, qui pour condamner, qui pour libérer tout si ils ont besoin de libérer. Moi, il y a toute documentation là, et le président est un grand démocrate lié, qui respectait la justice tout. Et lui-même, il demandait pour me venir. Comme je suis en conflit d'agenda, je suis excusé auprès du président de la République, parce que je ne suis pas venu même là. Mais comme ses voisins juge là, le bureau tout pris là, il y a un téléphone moi, ou bien l'affaire relève et je suis toujours prêt pour me venir présenter devant le juge là, pour me venir répondre. Mais ce qui est plus dérangé, c'est que nous connaissons, moi-même avec la police, moi avec PNH, nous amours. Et hier soir, je me demandais, il y a un avocat qui est, il faut me dire, avocat qui est, c'est des avocats qui sont en opposition politique là. Ok? C'est un avocat. Il y en a de vous dire que l'objet de convocation, c'est parce que je me demandais pour te libérer 5 policiers que vous te mettez en prison sans inspection générale pour qu'on statue sous caillou. Bon, si c'est pour ça, je vais toujours continuer de travailler et chaque fois qu'il y a un monde mal dans le pays, je vais toujours parler pour lui, je vais toujours demander pour le libérer, de voir un monde mal, parce que moi, j'ai un adage qui dit, et plutôt, il y a un coupable dans la rue que y a un innocent et fermé dans la prison. Il dit ça, mais c'est pour ça que je ne fais qu'à répondre à la question de la justice. Depuis arrêter un monde, depuis arrêter le mal, je suis toujours intervenu pour me dire la guerre. Et je ne suis pas supposé au courant, non. Le magistrat a convoqué, je suis venu. Si l'engrève, c'est lui. Moi-même, vous voulez le prendre à défaut. Mon juge d'instruction, son gros autorité lié, son gros chef. Si je ne suis pas venu là, je viens arrêter. Comme moi, je ne suis pas en prison. Je suis pressé venu, si l'engrève, le levé grève là. Je l'ai reconvoqué, mais autant de fois le convoqué. Pardonnez-moi, Père. C'est un cas de kidnapping. Nous recensons plusieurs cas de kidnapping. Nous n'avons pas un chiffre là, exactement, nous avons dit combien pour le moment. Mais nous recensons. Et nous avons dit encore une fois, la police n'a pas écarté de responsabilité, et pas dédouané de responsabilité. Nous sommes conscients du problème là, et le problème là, pratiquement, l'a répété et presque chaque jour. Et nous avons dit encore une fois, la population, gagner rôle pas pour jouer. Et ça fait que nous dit dans cas ça qui ouais à kidnapping également insécurité, chaque monde dans la population c'est un policier qui lui. À savoir si on a bagarre qui a passé, faut lui même tout lui capable et il faut pile effort de ça pour que toucher responsable la police par et enlèvement yo. Mais tout nous te dis ça, les kidnappés mounan sont côté qui a la velle, son côté séquestré. Et côté qui a séquestré là, il y a qui vivent la donne. Nous demandons pour nous poter coller son tête ensemble pour nous combattre. Phénomène ça,
également phénomène qui vient pour eux avec insécurité. Parce que les cas de kidnapping enregistrés, c'est de monde, c'est de familles qui sont victimes. Et il y a des conséquences directes sur la population. Et c'est ça qui crée des paniques. Et nous te voyons tout, les bons cas de kidnapping dans la zone, rapidement nous te voyons gagner un barricade d'ensemble de bagailles. Nous comprenons encore une fois la population du comportement ça. Et nous avons encouragé pour veiller avec la police nationale pour ensemble, si cas ça fait, nous prenons un monde, ou que nous prenons un monde, nous pensons que la population est capable de barrer dans la route et pour la police même capable de faire intervention. C'est certain que quand on vit là, ou nous pas demander pour que pour mettre la police plutôt pour nous courant, mais ou capable de faire et discrètement et pour que nous mêmes nous capables de faire travail. Fait toute journée en conversation avec les autorités dominicaines, nous sommes travailler bien solide. Malheureusement, c'est un convoi de 22 ou 20 véhicules selon information que j'ai gagné. Et ils rentrent dans le pays là. Nous par contre qui côté ou passer qui gens ou passer qu'on est nos frontières qui c'est 4 ou 5 points seulement nous contrôler sur les nous passer n'importe côté et dans même copie passeport que moi mais même moi un passeport y en dominicain qui expire. C'est-à-dire c'est malheureux que un convoi comme ça a rentré dans le pays, les autorités du pays n'étaient même pas au courant et selon information gagnée, tu gagne deux patrouilles policiers qui étaient avec eux de Ludmo je crois mais beaucoup sûr de ça parce que je me demande plus d'explications dans haut état-major de la police là pour me connaître est-ce que vous êtes autorisé pour accompagner le convoi et dans quelles conditions tout ils ont kidnappé trois mounio et matin je parlais avec plusieurs mounes qui étaient qui concernés par montage film ça que vous avez fait mais notre travail sur le dossier nous pouvons penser un peu après-midi à nous faire une solution à ça. Il prend une ampleur inquiétante. Et nous prenons ça au sérieux. Et hier soir encore, nous attendons un policier actif ou bien ex-policier qui était pour me vérifier ça sur les réseaux sociaux qui fait des déclarations qui assez graves. Qui dit qu'il lui-même, mais qui qualité groupe monde, mais qui groupe monde qui n'a qui dans kidnapping. Pourquoi son policier que les grèves ou bien que voir. C'est non ça me détendait, moi mettez pour vérifier pour moi. C'est pas que nous-mêmes nous baissons les bras. C'est-à-dire la police continue à travailler et fait filature et n'a prend toute disposition pour au moins nous mater cette histoire de kidnapping dans le pays. Parce que j'en sors de là qui prend ampleur, qui est vraiment, vraiment inquiétant dans le pays. On a travaillé sur ça. Moi-même, c'est pour le ministre, toute qualité monde. Et nous vivons dans un pays démocratique, tout le monde dit sauver, tout le monde pense sauver. Mais Raïs Chien dit dans le blanc, je ne crois pas la police nationale, Jean-Bron pour le ministre qui remet au conseil et qui a de très bonnes relations avec le PNH. Aussi, la justice a fait chemin, il y a pas enquêté sur eux, mais appel que m'a lancé, si vous trouvez que les policiers n'ont pas impliqué, question ça que vous libérez parce que moi-même je suis premier ministre en plus côté malé avec des policiers qui affectaient à sécurité des fois par contre ça mal réglé côté malé c'est à dire le fait que nos policiers accompagnent les VIP d'un côté ça va vous dire pour autant que les policiers allaient impliquer dans l'activité que VIP a mené parce qu'il n'est pas obligé au courant ça VIP a fait. Job li, c'est protéger et servir, li accompagner VIP a parce que la loi fait l'obligation pour protéger VIP a quel que soit à côté l'aller et dans quelques lieux que VIP a. On m'a demandé des policiers pour regarder calme. Par exemple, matin, il y a pour eux que je me présenté dans le tribunal parce que le juge l'a été convoqué pour que quitter la justice fait travail. Ils mettent garder calme. Yo. Et la justice a fait travail, le CPJ a fait enquête. Li. Si les policiers n'ont pas coupable de quoi que ce soit, je pense que l'inspection générale, la direction générale de la police, là, tout comme le commissaire du gouvernement, a demandé pour l'action. Bon, pour le moment, son appui moral seulement par côté Bayo. Et même gens, il y a des gens qui ont arrêté là tout.
gen la de yo ke m reconnaître malheureusement en tant que premier ministre pas même qu'al wè ou nan prison parce que yo ka bay sa l'autre connotation vous comprenez ça m'dou mais c'est appui moral que m'pote et ceci à tout le monde qui est en prison que c'est monde que vous condamnez déjà que c'est monde qui est en détention préventive prolongée parce que pouvoir on pouvoir pas gain droit à fourner dans ça qui a passé dans notre pouvoir malheureusement et mais j'ai appui moral que m'pote pour yo et m'a continué parler avec ministre justice CSPJ qui occupait de l'administration de la justice dans pays pour que bagaille fait un autre dans pays économique à social, secteur privé évangélique là dans Gonaïve, exprimé préoccupation face à la situation sociopolitique paysan qui a vint plus grave chaque jour plus. Selon constat FESPEG, chi répète qui gagnait en acteur politique yo la cause business pas qu'a fait dans pays et puis gagne plus misère, grand gros chômage et insécurité qu'a suite bill population. Pour ça, président FESPEG là, maître Emus Régis, mandé pour tout acteur yo qui ça qui n'a pouvoir ou n'a opposition, mettez tout orgueil de côté et puis si t'as parlé pour qu'à joindre une solution dans la crise là. Forum économique et social du secteur privé évangélique de Gonaïve, qui c'est FESPEG, qui c'est un forum qui regroupe entrepreneurs avec professionnels préoccupés par la situation sociopolitique qui a traversé le pays. Côté acteurs politiques, ni pouvoir à proposition, pas qu'à entendre, puis mener pas de pays. Situation ça la cause, pays a venu plus dans la mise. Maintenant, pas gain investissement. Professionnels et businessmen, pas qu'à faire. Dans ce sens, FESPEG a demandé pour tout acteur faire un dépassement de soi, Yoshita, et définir un alternatif. Parce que l'abord de force là, pas plus de dégâts. Yon l'autre côté, président FESPEG là, maître Emus Régis, demandé pour la police respecter droit population à gagner pour le manifester. Pendant le dénoncé tout, incendie qui était fait dans plusieurs bureaux publics dans cette indépendance là. Population qui a manifesté, c'est nous manifester pacifique, ni gars au boulet, ni gars au boulet, gens ça fait pour d'ailleurs, et puis mairie. Tribunal pour lui ensemble avec un pile boîte d'État. N'a pas demandé à la police pour lui protéger le droit manifestant avec bien public et privé. N'a pas demandé à tout secteur dans le pays. Continuez à boire ces vidéos. Dialoguer pour nous capables de joindre un consensus pour ce type de pays dans le côté du pays. Président Forum économique et social, secteur privé évangélique Gonaïve là, maître Emus Régis, quoi division pas peine pays en quel côté. D'après lui, dialogue, c'est plus bon moyen qu'à permettre de nous joindre une solution concertée. Dans la crise politique là, Exalus Mer Jeuna Gonaïve, Télévision Nationale d'Haïti. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée, si c'est matin, bon matinée.